Ouais. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'on en est où ? Faut bien filmer le t-shirt. On va dire que ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Des détails. Bah j'aime bien les dames. Ouais. C'est grâce à ma copine, mais je crois que ça marche plutôt pas mal. Et voilà, bah paire de dames contre les rois, je fais carré. Ah oui, c'est toi. C'est moi, le fameux carré. Qui nous a sorti le seul canadien du film. Qui jouait très bien d'ailleurs. Ouais. Donc je lui ai dit qu'il méritait pas ça. Il était plutôt super fair play, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, je fais une mini relance. Mais bon, vu que je joue pas beaucoup de mains, je me dis que je fais un peu peur, mais pas trop. Et y a un mec qui joue un peu bizarrement, qui faisait des grosses relances, qui met tapis direct. Et puis un short qui joue vraiment pas mal, qui a pas eu beaucoup de chance, qui complète. Et moi j'ai deux dames. Et si je perds, il me reste plus d'un million. Sachant que les jeux, je crois que je perds là-dessus. Mais c'était. J'ai pas envie de prendre du 50-50, après tout je me dis voilà, c'est quand même des queens. Elles m'ont porté chance. Je call, il y a As-Dame. Parce que je perds sur internet, les gars, je l'ai pas perdu. Mais c'est cool, l'autre a deux valets et je fais full max, donc parfait, je suis à 2 millions de 4 je crois. Donc ça se passe plutôt pas mal. C'est cool. Et ton t-shirt, tu peux nous expliquer? En fait, c'est mon frère qui m'a offert à Noël. Et en fait, c'est l'acteur Jean-Claude Van Damme, c'est avec Camara Café. Oui. Donc voilà, et avec une de ses phrases dans un sketch. Et derrière, on a une citation de ce sport. En plus, en jogging, basket, c'est pas génial, mais bon. D'accord. Donc, demain, ça va, une appréhension pour la table finale ou comment? Franchement, non, pas trop. Vu comment ça se passe en ce moment, non, vraiment pas. Confiance. En plus, tu peux filmer aussi, je remercie quand même un soutien. Le rail. Ouais, ce soutien de toi, c'est super cool. Et non, pas vraiment. Gentil, j'avais une petite appréhension parce que mon t-shirt n'était pas très propre. Donc ce matin, je me suis donné du repassage en vitesse. Repassage sans lavage? Si, enfin c'était assez bizarre. En fait, il était mouillé, donc c'est pour ça que j'ai un t-shirt en dessous. D'accord. C'était un peu n'importe quoi, et vu que c'est mon t-shirt fétiche, et comme il est un peu propre. D'accord. Et donc demain, c'est le même t-shirt ou un autre? Demain, c'est la même tenue. Ah ouais, d'accord. Il y a qu'en dessous qui change et c'est tout. Bien. Merci pour la précision et le détail. Voilà, on sait jamais. Et donc c'est sympa. Très bien. Bon bonne chance et puis à demain alors. C'est super gentil, merci. Ciao.